a même parti de Custa des Var, au rescontre des Scoulans qui est de Custa des Pourrières, qui en fait un travail pour les musiciens qui vont en assurer le grand pointing des tarus musicales des Courens, rescontre d'Elisa Taillé, et mes loups Gascou, Jean-Francis Tisner, un reportage d'Elisa. Et à Courin d'Invar, qui avait réduit une centaine d'escoulins, l'outil du rescontre amis des musiciens professionnels. Les casens se perdent les jouvins et participent à quatre étaliers, permis de découvrir à quel monde sonore. Avant de présenter la création tout isensin, à une targue musicale au mois de juin. Le soleil qui est tourné, par exemple. Vous entendez quelque chose en clair, mais ça passe dans le synthétiseur, ça fait. Comme Cadan des Pécoques et Isanades, ce sont des classes de la province verde, qui est notre communauté, qui sont convidées à séguir une créature autour de son arbre. Jean-Francis Tisner, qui est une Gascon. Bon, c'est pas vert à dire amène une vésine, mais il y a une occitan. Et partez déjà la langue. Je vais vous faire écouter quelque chose. Vous fermez les yeux et pour le moment vous écoutez simplement. D'accord? Ça va durer une vingtaine de secondes. Attention, on ferme les yeux. Félix Jean-Rodin, le poète comme la preuve. Je vais vous le vas-y. À chaque fois, le son il change d'endroit. Ouais. Le projet que hay aquí de plus escolars de Corens que traiair simplement que le nom d'un spectacle que le nom de tabé de l'esprit de l'spectacle de drais de traces et de memori et un per pausi aux mainages de sta cum etnologues de d'outen presents d'et au l'univers mais de seguir aquest traça que son d'un traiair. La mémoire, une question centrale dans ce travail de collectage, inspira de l'œuvre de Feli Arnaudin. Dans l'épiade d'aquel ethnologue gascon famous, sont présentées les photos, les camps et les mémoires d'ailleurs et des vieilles, mesclant les époques, télescopant les images. Est une création collective montée les jouvins, c'est son vira dévers la vie de vidante, per y recampa des sons. Enfin, votre itinéraire, je veux dire, il est très long. Il va falloir condenser, choisir les meilleures choses, laisser tomber les autres et puis se mettre au service des choses qu'on aura choisies, par exemple, pour que ce soit assez condensé. Parce que sinon, après, c'est très intéressant pour nous de faire ça pendant 5 minutes, mais des gens qui écoutent, ils se disent, au bout d'un moment, ouais, il faut relancer l'attention dans un spectacle, c'est comme ça. L'endroit où j'habite s'appelle le hameau du Pigeonnier. Ouais, je passe par où? Je prends maison, puis mon chemin, puis la boîte aux lettres, chemin de Doug, les chemins de Malabar, coopérative de Nicole. Le parc à gauche, les bergers à droite. Plus en haut, plus grand, plus haut. Collectage souvent le monde pense que sont causes vieilles, per vieilles, des mondes qui vont mourir, d'après Scrops, de quelques copes. Nous qui pouvons faire collectage sur l'informatique ou le vocabulaire des traders de la bourse. Que le collectage est tout à coup, et l'élément central qui justement recueille la mémoire, quoi que soit la mémoire. La mémoire est l'identité de quelqu'un, ou les identités de quelqu'un. Que m'explique sur le mot d'identité, que le cadu qui est nourri d'influences, de causes, de langues, de radices, d'un bien à la famille, de l'environnement sonore, des noms de les causes, tout à ce qui est une carte d'identité des cadus et de la collectivité. Il y a un mur au fond. De quelle couleur? Blanc. Ça veut dire qu'il n'y avait pas de flash, il n'y avait pas de lumière, etc. Donc il prenait avec la lumière naturelle et avec un fond derrière blanc pour éclairer un petit peu quand même. Ok, tout le monde est passé? Ah, c'est vous qui l'avez fabriqué? Ouais. Voilà. Donc là, par exemple, ça mélange ce qu'on a fait avant et il y a lui. Hein.
Jean-Francis Tisnet porte son expérience des Landes de Gascogne, mais essaie de faire le pont entre ce qui se débat dans un pays et ce qui se débat ici au nôtre. On s'approche un petit peu, pas trop fort. On fait suivre tout le monde. À cette création musicale unique, avec un dispositif sonore et une octophonie, Sarah a découvert dans l'encastre des targues musicales des courants à la début d'un mois de juin.